Salut à tous, c'est Ardeday, on se retrouve pour un nouvel épisode, le troisième de Nova Life en mode RP. Surtout, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour soutenir la série. Là, on a Richard qui a coincé sa tête dans un véhicule. Vous voulez que j'aille le sauver ? Richard ! Richard ! Patrick ! Oui ! Ah. Oh, oui, ça, oh, va, oh, ça y est, ça va mieux ! Oh là là ! Incroyable ! Oh là là, je me sens pas bien ! Attendez, monsieur le papier, je vais vous prendre. Ouais, va encore les... Regardez, il va encore lui faire un massage des couilles. Non, monsieur. Monsieur normal. Ah, respectez vos ancêtres. Faites gaffe, faites masser les couilles. Pardon. C'est Richard. Vous calmez Richard et Bébert. Monsieur, vous avez un petit véhicule. Est-ce que vous pouvez me soigner aussi? J'ai pas de véhicule. Eh ouais, il manque une bougie là dans mon véhicule. Ah, attends, j'en ai vu une dans l'accueil là. Ah, il en a. Oh là, les ancêtres ont toujours tout prévu, c'est incroyable. J'ai tout dans les poches, et pas que dans mes poches. Ouais. C'est ce qu'elle disait aussi, c'est ce que disait Géraldine. Oui, et Christine. Oh, vitamine, s'il vous plaît. Ça va mieux ? Ça va mieux ? J'ai pas pris mes antidépresseurs ! Je vais vous emmener à l'EHPAD, je vous emmène à l'EHPAD, monsieur. Je vais faire un massage. Est-ce que quelqu'un peut nous emmener, s'il vous plaît, à la station service, s'il vous plaît ? On a Jason qui va s'en occuper. Monsieur le papy, j'ai des antidépresseurs, bro. Allez-y, rentrez, les gars, rentrez. Bah, c'est Albert. Mais il manque Gizmoche. C'est vrai. Bah, écoute, il nous suit, il nous suivra. Ouais, c'est vrai. Où est Gizmoche? Bah, attendez, il manque Richard. Non, c'est Albert. Il manque Albert. Attendez. Et Gizmoche, vous savez pas comment je m'appelle, Patrick? Si, mais je confonds des fois. Attendez, je suis malade, j'ai attrapé la grippe. Oh là la faute, c'est bon, je suis rentré. C'est qui a attrapé une grippe? Patrick. Ouais. C'est pas mon nom. Moi. Allez, en voiture. C'est Dassault. Attends, bouge pas. Richard Dassault. Merci. Allez, on décolle. Allez, Taillon. Allez. Prends moi ma voiture. Allez. Jason, tu viens de la prêter ou pas? Ouais. Mais non. En route. Merci Jason, il est cool, il est vraiment adorable. Allez, bisous Jason. Jason, t'es cool, mec. T'es vraiment un bon Jason. T'es un frère. On a pas les clés, les gars. On va partir. T'es brave. Je suis mort. Jason, t'es un frère. Oh putain. Mais non, je déconne, les gars, jamais on serait parti sans Jason, voyons, Richard, c'est notre pote. Je veux pas jouer un peu du levier de vitesse, là. Oh, Jason. Que maîtrise bien les massages. Mais les gars, partez pas sans moi. Oh, Patrick. Non, Richard. Patrick. Va dans le coffre. Ok. Attends, bouge pas, je vais dans le coffre. Monsieur, va dans la valise. Ouvrez-moi le coffre. Va dans la valise, en haut. Rentre dans le coffre, ça rentre tout le temps. Monte sur mes genoux, sinon. J'arrive, Richard. C'est bon, go. Allez, go, roule, c'est bon. Let's go, avance. Non, mais va trop vite, ce con. Non, putain, j'ai perdu ma place. Attends, je vais tester un truc. Venez les gars, va faire bande à part. Venez, fais bande à part, vas-y. Soit Jason nous laisse, soit il nous laisse sa voiture, soit il dégage. Montez, vite. Non, les gars, on est une équipe, c'est soit les quatre ou rien. On vient pas, on est des frères. C'est d'où on vient? Nous, on vient de la rue, frère. Laisse-nous la voiture. Laisse-nous la voiture, Jason. On t'en revient, toi, promis. C'est ça qu'il fallait dire. Attendez. Laisse-nous la voiture. Alors. Regardez ce qu'on va faire. On va faire une petite technique. Le mec avec les cheveux bleus, il était pas au début. Ça veut dire qu'il va partir. Et il y a les autres personnes qui vont rester avec moi. Là, on est bien là. Je suis le Farfadet. C'est bon, les gars. Allez, pas monsieur Farfadet. Allez, dégage. Farfaladesh. On veut pas rouler. On a pas les clés. S'il vous plaît. Non. Monsieur. Richard. Il vous entend pas, monsieur. Vous parlez pas assez fort, monsieur. Il vous entend pas. C'est Albert. Bon. C'est moi, Richard, bande de nazes. Mais pourquoi il t'a passé sa voiture? T'as pas le poteau, t'as pas dans le poteau. T'as pas dans le poteau. Il a rien demandé. Je peux pas sortir, c'est fermé.
J'étais cool depuis le début. C'est vrai, c'est vrai, les gars. Allez, non, mais on peut pas lui faire ça. On peut pas lui faire ça. Faut qu'il nous donne. Je peux pas sortir. Allez, go. Mais par contre, il y a juste le Farfadèche qui va sortir voilà. Et Richard il va prendre sa place. Non, c'est pas Farfadèche. On part pas sur le Farfadèche. On part pas sur le Farfadèche. C'est quoi un Farfadet? Un Farfadet à 4 ou 0. Le Farfadet. Tous pour 1, 1 pour c'est 12. Quoi ça? Ouais, il a raison, il a raison, il a raison, bah je sors, je suis Richard. Tous pour 1, pour tous. C'est oh putain. Je peux pas sortir. Allô Ronron. 1 pour tous. Comment tous ça va Ronron? 1 pour tous. Tous pour là, le pouce, ouais. Ouais. Ronron, tu m'entends? Oui. Ça va? Je suis pas le nez de la. Je suis pas le dernier de la. Bon, Ronron, il faut que tu viennes nous chercher là. On est en galère. Ouais, s'il te plaît. C'est le Bangladesh. Ronron, faut que tu nous. Et qu'il vient de raccrochonner ce con. S'il te plaît, viens avec nous. Attends, j'en vais à ma pause, Il s'y fait lui. Rototo. Tu caches le téléphone. Viens. J'y vois que dalle sur ton téléphone. Rien, comment tu fais? Il est tout noir sur ton téléphone. C'est parce que j'ai plus de batterie. Le téléphone il est en train. Ah d'accord. On est où là? On est où les gars? On est au SAMU, on est au SAMU, bougez pas, j'ai demandé un deuxième véhicule. Ah, vous êtes loin de la ville hein. Voilà. Bah, t'inquiète, on est des frères. C'est pas grave, t'inquiète, j'ai un pote qui va venir me chercher, t'inquiète. Si il faut. Allez, ciao les gars. Ah Jason allez, les gars, ça dégage. Jason, quand t'as un véhicule, tu penses à nous hein. Ouais, mais par contre, Lucas, allez, Jason. Dégage avec ton véhicule de allez, merde. Jason, dégage. Arrête de frapper mon véhicule. Oh, arrêtez, c'est pas cool les gars, arrêtez, on adore Jason, il est super sympa. Arrête. Quoi? Qui ça? Bah, c'est toi qui la tape et c'est toi qui dis ça. Pas du tout. Bon, laissez partir Jason, les gars, laissez partir Jason, c'est notre pote. J'ai frotté, il y avait des lignes. Vas-y, Gazon. Attendez, les gars, non, c'est un pari clandestin. Jason contre Gizmoche. Vas-y, pas toi, Gizmoche. Venez, les gars, on fait un pari clandestin. Jason, fais pas ça, Jason. Arrête, Jason. Jason, fais pas ça, Jason. Jason, lâche le farfadé. Venez, on se barre avec sa caisse. On peut pas, on a pas les clés, les gars. On a pas les clés. Si vous voulez, je fabrique. Vas-y, fabrique les clés, vas-y. Ça ne démarre pas. J'arrive, Gizmo. Jason, c'est bon, calme-toi, c'est bon, ça va mieux. Tu as donné le leçon, Jason. Il dit que j'ai une voiture de merde, il me frappe. Mais t'allais bien ta voiture, t'inquiète, elle est bien. Elle est super ta caisse. Ça nous a bien dépanné. Il a dit c'était la voiture de ta mère, c'est pour ça, t'as pas compris. Qui a dit ça? Bah c'est lui, il a dit que c'est la voiture Farfadet. Mais Jason, il fout la merde. Ça fait rien. Qu'est-ce que tu fais dans ma voiture? Vas-y, Gizmo, continue à foutre la merde. Qu'est-ce que tu fais dans ma voiture? La merde. Tu vois. Vas-y. Il fait quoi, Roro, là? Je sais pas, Roro, il s'attique le poireau, je crois. Il vient. Putain, il se branle les couilles. Mais oui, il se branle les couilles. Mais non, tu peux pas. C'est pas ça qu'on se branle. Il se branle la couille. Ah, t'es tapé au carreau. Oui, il en a qu'un. Ah, t'es tapé au carreau. Et si je peux le frapper, mais attendez. Tu peux le frapper, c'est bon, je vais demander, c'est bon, il va venir. Arrête. Il arrive. Attends avec moi, oui. Hein? Comment il s'appelle, Roro? En vrai, son vrai nom, c'est. Je sais pas, ce con, il s'appelait Ronron, moi j'appelle Ronron, quoi. Attends, viens m'envoyer un texto, bouge pas. Mais c'est qui? C'est un Pokémon. Il joue à Rododo. Go, en fait. Ouais, c'est Rododo. Il joue à Pokémon Go, en fait, sur son tel. T'attends. Oh, il a eu un Pikachu Rex. Faut qu'on aille chercher l'autre connard au karting aussi. C'est bon, les gars, il va venir nous chercher. Roro, alors Roro. Mais c'est toi. Alors Roro, comment ça va? On a un job pour toi, la police. Ouais, on a un job pour toi. Carrément. Ah ouais, ils te veulent, frérot, ils veulent un PDG en fait. Et oui. Ouais, c'est ça. Attends, je lui demande des comptes. C'est un PDG. C'est. Eh, Jason, t'as pas vu le gars que tu tabasses? Faut que tu redresses la situation. J'ai pas oublié le karting. T'as pas vu le gars que t'as tabassé là? Tu sais pas où il est le gars que t'as tabassé là, le farfadé? Merde. T'es chaud dans ta bagnole, bordel. En fait, il a disparu. Ah, d'un coup, il a disparu. Mais c'est un peu le chauffage. Ouais, vas-y, je mets la clé. Du coup, t'es où la raison? Tu vois pas trop bien la route. Putain. Ok, bon, on va essayer de retrouver. Mais en tout cas, merci pour ton aide, Jason.
Tu montes ou quoi, bébé? Je suis content, mon pote. Non, allez, tu m'appelles, t'as mon numéro, tu m'appelles s'il y a besoin. Patrick. Ouais, ouais, t'inquiète. Merci, Jason, à plus, mon pote. Allez. Monsieur Houille. J'arrive, les gars, j'arrive. Il est où, Fafadej? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, écoute, on va t'expliquer, hein. Fafadej. Mec, on t'a sauvé la vie, on t'a sauvé la vie, frère. Et ils ont tout. Eh, le mec, ouais, le mec a porté plainte et tout. Et j'ai dit, ouais, je sais pas qui c'est et tout. Genre, ouais, je t'ai protégé. Du coup, avec Albert, et c'est là que c'est en prison que j'ai rencontré tout Albert, ça, ouais, et Richard. Et on a fait de la prison et tout. Et on tape à balance. Alors, le problème, c'est qu'ils ont mis dans le cul à Richard. Vous avez fait la prison? Bah oui, on a fait de la prison. J'ai mis dans le cul à Richard. Et. Et Farfadé, ils l'ont bouillave, quoi. C'était horrible. Tu connais la savonnette, hein? Et bah, c'est comme ça depuis on se connaît. Du coup on a pris une amende de psychopathe, mais on t'a pas balance. On t'a pas balance, on t'a sauvé, mec. Mais non, vous êtes sérieux? Bah oui, on est sérieux, on a pris une amende et tout, mais on t'a pas... Bah, ah ouais, plus carré, que sérieux. Vous avez carré, mais putain, mais... Oh. Comment ça se fait que vous avez pris une amende? Bah parce que on a paniqué avec Richard et puis voilà, on a paniqué. Karting gratos, Abby. Richard et Albert, on a paniqué, tu vois, direct, et du coup on t'a protégé. C'est ça qui m'appelle. Ouais. Attendez les gars, j'ai Jason qui m'appelle. Salut Jason, comment ça va, mon pote? Non, c'est toi. Mais tu sais même pas comment je m'appelle. Jason, comment ça va? Merde, j'ai cru que c'était 70. Les gars, Jason, il m'entend pas au tel, il y a une touche. Moi aussi. Vous m'entendez? Ouais. 50 en agglomération, mon vieux. Mais je sais pas, c'est... Les gars, quand je suis en tel, quand je suis au téléphone, personne m'entend, c'est normal. Vas-y, roule. Trace. Fallait pas me le dire de... Attends, y'a des cafés. Bisou, t'es où là? Voilà, One Life, ma gueule, nique la police! Non, rien, c'est une longue histoire. C'est qu'à te le dire. Les gars, je suis un peu malade. Y'a moyen d'emmener chez le doc là, je suis un peu malade. Par contre, les gars, j'ai une grippe, faut que j'aille voir un médecin. Faut que j'aille voir un médecin, les gars, je suis pas bien là. Attends, vas-y, je te fais la demande. C'est fait, Ronron, je sais déjà. Quoi là? Ouais. Bah, je suis malade, les gars, je suis malade, faut que j'aille voir le médecin. Bah ouais, j'ai une grippe. Mais tu reviens du SAMU! Bah ouais, mais je m'en bats les couilles, SAMU, moi. Bah attends, vas-y. Tu veux que je te file mes antidépresseurs? On va au SAMU. Vas-y, on va en boîte d'abord, mais il manque Gizmoche, Putain, on va en boîte. Ah, le bleu. Le Farfadej, les gars, le Farfadej. Je suis mort. Farfadej. Est-ce qu'il y a de la go? Bonjour les jeunes. Ça va les jeunes? Bonjour, comment ça va? C'est ici qu'on danse. C'est ici, en effet. Ah, ça fait longtemps que j'ai pas lu ça, moi. Oh là là là. Moi je veux danser, les gars. Ah, faut payer, monsieur. C'est combien l'entrée? C'est combien l'entrée? Parce que la retraite, ça paye pas. 500 têtes. Ah ouais. Et ça trop cher. Je peux payer pour 3 personnes. Ah, sympa, va payer ma part, mec. Oh, c'est bon, je suis encore fait payer. Bah, ça tombe bien, on est trois. Mais Ronron, t'as dit que tu payais, non? T'as dit que tu payais, Ronron. Attends, Ronron, t'as dit que tu régalais tout le monde, frère. Eh oui, t'as dit que c'était ta tournée ce soir. Ronron est là-bas, là. Ronron, il est parti. Ouais, il est parti, il va payer pour tout le monde. Ah. Il est parti pour Régalouze. Mec, on part en boîte, tu viens de nous retrouver en boîte. On est en boîte, là. Là, c'est pour 3 personnes, là. Je sais pas si vous payez ensemble ou séparément. Ouais, ensemble. Comme tu veux, mec, comme tu veux. Reviens, reviens en boîte, on t'attend. Par contre, c'est 500 balles l'entrée. 4. On peut rentrer. 4. Allez, Ronron. Tu mets 2000? Allez, c'est bon. Allez-y. Peut rentrer. C'est quoi la référence de Dieu? C'est Ronron qui paye. Que Dieu vous bénisse, monsieur. Ouais. Ah, merci. Et pas que. La référence de Dieu. Let's go les couilles. Merci Ronron, tu régales. Bah du coup, moi, je suis allé sur tête. Ronron le sang. Ronron le sang. Mec. J'ai pas payé. Chut, personne sait, chut. Derrière, personne sait. Incroyable. J'adore. Ouais. On peut faire une chenille ou quoi? On a réussi à grimper, mais genre au premier degré, genre on a rien payé, on a réussi à rentrer sans payer. J'ai fait péter le son. Et tout à l'heure, la voiture, j'ai pas payé. Comment on fait pour danser? C'est quel muscle pour danser? Je me souviens plus. Halt. Je suis rouillé. C'est le muscle. Halt. Eh hey, les gars, c'est bon, il y a que des mecs. En fait, c'est une boîte gay ici ou quoi? Avec des mecs. Moi, je demande un remboursement, il y a que des mecs.
Venez, on demande à l'hôtesse de danser avec nous. Bah viens-y, go go go. Ah bah. Ah madame, danse avec nous. Ça non putain, ça part tellement en couille. Y'a aucun sens à ce qu'on fait, putain. Je suis mort. Y'a aucun putain sens à ce qu'on est en train de faire. C'est pas possible. Ah, je suis plié. Ah, je suis plié, j'en veux plus. C'est plus ton âge. N'importe quoi, putain, je suis mort. Tu nous comprends le coup. Putain, cet épisode n'a aucun épisode. Cet épisode n'a aucun sens, putain. Ça n'a aucun sens ce qu'on est en train de faire. Le poisson. Tu payes ton alcool, par contre. N'importe quoi. Dédicace à personne, fallait être là. Dédicace à personne, fallait être là, mais c'est pas possible. Eh les gars, venez, on va demander à l'hôtesse de nous faire une danse privée. Ouais. C'est Ronron qui régale, les gars. Vas-y, Ronron, va demander à la dame. C'est où? Il l'a fait, ce con, il l'a fait. Excusez-moi, madame, c'est où le bar? Il est juste ici. Le bar, c'est juste là. Ah, merci beaucoup, c'est très aimable. Excusez-moi, madame, y'a Ronron qui a quelque chose à vous demander. Quoi ça? Vas-y, Ronron, demande. C'est moi, qu'est-ce que j'ai à demander, gros? Bah, t'es très bien, c'est toi qui m'a demandé sur la piste de danse. Ahmed le shooter. Il veut pas, il se démoralise, les gars. Écoutez. C'est le mec qui a demandé une danse privée. Ah oui, le Ronron a demandé si vous auriez moyen de faire une danse privée pour lui. Ah non, je sais pas ça, monsieur. Dommage, Ronron, dommage, tu la prends pour qui? Respecte-la, Ronron, respecte-la. C'est bon. Mec, on vient d'essayer de faire passer une meuf pour une prostituée. Faut qu'il te ramène, dis-moi, ramène-toi, putain, ramène-toi, tu auras des trucs de fou. Ramène-toi, mec. Wow, regardez le flow du gars. Regardez comment on a du flow. Celui-là, c'est son spécialement dédié à Roro, les gars. À Roro, qui a pas payé sa, son entrée. Le tram de balance. J'ai oublié. Ah, putain, ça fait sens. Mais moi, je suis noir, là. Vas-y Roro, montre-leur de quel bas tu te chauffes. Vous êtes prêts les gars ou pas? Oh mais vas-y, saute. Saute. Oh la folie. Eh ouais mon gars. Mais quel bas tu peux gagner? Je suis jeune. On a encore toute notre jeune. Put your hands up. Put your hands up in the air. Put your hands up. Le truc des années 2000. Gros boomer. Hand up. If you want this clap in your hand. Regardez-moi. Mec, on est en train de danser en boîte, faut que tu nous revannes, c'est une dinguerie, c'est une trop grande dinguerie. Ramène-toi, Gizmo, ramène-toi, putain, on est en boîte là. Ah, mes genoux. Putain, il fait quoi? Bon, les gars, venez, on va s'asseoir à une table. Ok, venez, faut qu'on discute business, les gars, faut qu'on discute business. Vas-y, le sang. Ah non, c'est ridicule. Ce serait possible. Non, venez, on se calme une table. Bière en rouge. Ok, je te suis. Moi, je choisis une table. Hein. Vas-y, on prend celle-là, Ouais, là-haut, vas-y, on va là-haut, comme les patronnes. Vas-y, on va là-haut. Prom sur le fauteuil. Bon, les gars, désolé, j'ai pris la place. Bon, les gars, il est temps qu'on parle à faire, qu'on arrête de déconner, qu'on parle à faire. Putain, patron. Bon, t'as réussi à trouver un. T'as réussi à être engagé ou pas? Non, personne n'a voulu de moi. Mais c'est pas grave, on en a rien à foutre. Ok. Bon, les gars. Ok, les gars, j'ai un business model. C'est un business qui pourrait faire la thune, mais par contre, le problème, c'est qu'il faut pas en parler à la casting. Ouais, donc c'est genre de la drogue, j'imagine. Non, j'ai démissionné. Oh putain. J'ai bien vu que c'était le bordel. Ouais, j'avoue, ça pue la merde un peu. Les gars, j'ai besoin de vous parler. Laissez-moi la parole deux secondes. S'il vous plaît, il faut que je vous parle. Vas-y. Ok, vas-y. Les gars, d'ici peu de temps, je vais monter une boîte. C'est bon. en cours de gestion. Je suis en train de monter une boîte, les gars. Je pense qu'on va soit on va ouvrir une boîte de journalistes, soit on va ouvrir une boîte de journalistes. À vous de choisir ce que vous préférez. Et là? Ouais, bah moi ça m'intéresse la boîte de drogue. Ouais, mais toi t'es pas invité, toi. Et du coup? Non, donc les gars, parlons peu, parlons bien. Je veux vous recruter, les gars. Je veux vous recruter. Est-ce que vous seriez prêt, journaliste? On peut participer. Oui. Ok. Et bah écoutez, c'est en cours de création sur la radio D. Avec l'argent que j'ai pas. Arrête de toucher.
Et d'ailleurs, les arrête de toucher! Arrête, arrête de toucher, mec! Pourquoi tu touches? Je pas être là. Arrête, on va te tenter. Mais... bon, les gars. Ouais. C'est un truc. Alors, moi, si jamais. Les gars, à la vie! Un truc, c'est qu'il y a des endroits. Non! Où y a une non! Albert! J'arrive, Albert! C'est bon, les gars, je suis là! Tu t'es pas fait Albert! Non Albert! Patrick! Patrick! Albert! Patrick, ça va aller! J'ai sauté d'un étage, mec, je suis en train de mourir! Faut que tu viennes! Patrick, dis-moi que c'est une mauvaise blague, s'il te plaît, relève! Albert! Non, ça va, c'était une blague, tout va bien finalement, tout va bien, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon! Allez, let's go, tout ça, tout ça, fils de dance! Faut que tu viennes, Gizmo, c'est trop drôle! Comment on fait pour danser? J'arrive plus! Oh putain, Gizmo, ramène-toi, tu auras des trucs de fou! Attends, mec, je te fais un partage. Oh merde, ça fait. Putain, ça vient de faire planter le jeu, le partage. Ah non, ça y est. Ah, mais non, ça fait planter. Ah oui, c'est bon. Ah oh, bah oui, le jeu a crashé. Bon, écoutez, après un petit bon, crash. Je vais pas terminer aussi, je crois. Je sais pas pourquoi. Oh, non, Richard, oui, non, Albert, pardon. Albert! Albert, non! Où est ton truc de merde là? Vite, hôpital, faut qu'on aille chercher Farfadé! T'es à l'hôpital, Gizmo? Ouais, j'y vais! Vas-y! À la mairie? C'est où? Va le chercher! Ouais, non, bah allons, faut qu'on aille aussi à la mairie du coup, allons à la mairie! S'il va à 130, dans mon véhicule, c'est moi qui prends la main du coup! De quoi? Je vais où? Bah s'il va à 130 dans mon véhicule, c'est moi qui me prends la main, c'est logique! Mais non, non, c'est conducteur! C'est bon, j'y vais. Faut aller à la mairie, faut aller à la mairie, les gars! Mais attends, j'ai une question! Faut rendre Farfadé, faut aller à la mairie! Bien sûr qu'il a le permis, bien sûr qu'il a le permis, voyons! Je l'ai passé il y a 20, il y a 40 ans! Bien sûr qu'il a le permis! Voyons! Ah, ça veut dire que t'es encore. Non, c'est derrière, demi-tour, demi-tour! Oh. Voilà, tu vois la preuve qu'il a le permis! La preuve qu'il a le permis, tu vois! Mais oui! Ça, c'est de l'expérience! Oh la vache! Je suis mort de faim. Tu me laisses conduire. Non. Non. Je suis mort de faim. Il faut sauver Albert. Albert. Je vais finir dans la quatrième dimension. Attends Albert, j'appelle les pompiers Albert. J'avais oublié de te donner. Appelle les pompiers Albert. Pas encore lui. Non. Albert. Mes antidépresseurs. Vous étiez où? J'ai mal. Mais y'a un problème, t'es pas dépressif, connard. J'ai pas trouvé l'autre, hein. Oui, l'autre, il est mort. Tu sais quoi, je vais chercher l'autre. La boîte de nuit, elle est vers où? Parce que je la cherchais, quoi. Ben, la boîte de nuit, de toute façon, c'est blindé maintenant. Puis c'est 500 balles d'entrée, hein. Défie-toi. En attendant... Bah, dépanne-moi. T'as 100 000 balles et tu veux pas me dépanner 10 000 balles pour acheter une voiture? Mais je suis en train de... Là, je vais avoir ma maison, là. Mais c'est horrible, tu sais quoi, maison, je pourrais... C'est horrible, mec. Au moins, dans ma maison, je vais acheter un mobil-homme et je pourrais vous réfugier. On n'est pas des clodos. Mais nourrissez-le. J'ai appelé les pompiers. Quelqu'un peut le nourrir. Sauvez-le. En fait, S'il vous plaît, aidez-moi. Je m'habite de mon sang. Il est dans la mairie. Il faut que tu ailles le chercher à la mairie. Tu le ramènes ici, Jason. On compte sur toi. Richard, vous appelez les urgences, s'il vous plaît. Mais c'est en plus, fait. Y a Richard, merde. Mais c'est fait, les gars. J'ai déjà appelé plein de fois les pompiers. C'est fait, les gars. J'ai acheté. J'ai 10 fois, j'ai appelé les pompiers. Mais rien. Ok, bah c'est nickel. Ok. C'est top alors. Richard, okay. S'il te plaît. Non, Albert, meurs pas, Albert. Meurs pas, Albert. Albert, merde. Ah, ils arrivent. Albert. J'entends les pompiers. Je vois les étoiles. Y'a des petits oiseaux qui tournent autour de ma tête. Tiens bon Albert, tiens bon. Albert, si tu meurs, c'est une histoire historique. Non. Albert, s'il te plaît, avant de partir, mets-moi sur le testament, Albert. Mets-moi sur le testament. Je vois la lumière. Lève-moi ta bagnole, Albert. Albert, prends ton. Oui, je vais tout te léguer. Je vais te léguer ces quatre. Merci Albert. Tu vas sur internet et tu marques Pornhub. Oui. Non Albert, okay. C'est pas ça Albert, reste pur Albert. Non. C'est non quoi ça? Reste pur Albert. Et tira dans la catégorie bondage. Non ça s'écrit. Oh non. P. Oh. T'as fait comment? Ouais. R. T'as fait comment du coup?
N H. Qu'est-ce que c'est que ça? D'accord, putain, fallait savoir. Ah non, Albert, ils sont comme ça, entre eux, et puis après. Ah, non, non, Albert, je t'avais dit, il fallait qu'il reste pur. Et on a entendu les pompiers, mais ils sont barrés, ils en auront rien à foutre. On faisait pas ça de mon temps. Ah, Noah a repris votre appel. Parfait, il y a un pompier qui arrive. Ah, tiens, bon, Albert. Comment partir? Non, Albert, retiens-toi, Albert. Quoi? Je vais en foutre partout. Non, Albert, on est parti aux chiottes avant de partir. Ah putain, ça faisait longtemps. Mec, j'ai écrit en mode panique RP, genre Albert en train de mourir de faim, à l'aide. Je reçois un avertissement pour appel abusif parce que j'ai écrit en majuscule. Mais genre quelqu'un de paniqué, il peut écrire en majuscule quoi. Ah, tu vas comme un sagouin, bah. Ouais, bah écoute, RP quoi, tu sais comment c'est. Ils arrivent ou pas, les choses de secours là? Mais ils sont censés faire que ça, ils sont censés arriver depuis un bout de temps. C'est des incompétents. Bon attends, je vais aller le chercher hein. Je ferais mieux de mourir et de revivre, si tu vois ce que je veux dire. Ah merde. Mec, il vient de mettre un message. Bonjour très chers citoyens, citoyennes, quand vous faites un appel au SAMU, les sapeurs-pompiers sont aussi notifiés. Quand vous faites un appel d'urgence, merci d'indiquer le lieu et le motif de votre appel. Et un SAM n'est aucun SAM autorisé. Et full match sont interdits aussi. Oh là, ah, je vais à l'hôpital. Ils sont un peu roulous. Bon allez, viens. C'est pas grave. Mais il est mort. Viens. Il l'entend. Ok, super. Urgence. Bah c'est trop tard maintenant, il est plus là. Bah oui, c'est trop tard, mais monsieur, on y est pour rien, nous. On y est pour rien, nous, on a des interventions. Non, mais il agresse pas le monsieur médecin. Déjà, il s'est déplacé, c'est déjà très bien, il agresse pas. Bonjour, monsieur médecin, merci de votre... Merci de vous être déplacé. Bonjour. Non, mais il n'y a pas de soucis. Non, mais il y a pas de soucis. C'est juste que je suis sur les nerfs. Oui, bah non, mais écoutez, monsieur, quand on est en... Je suis en train de retourner ma veste, c'est une dinguerie. Le temps que ça arrive. Ouais, on fait ça dans. Je sais pas, Jason m'a dit qu'il allait venir, frère. De toute façon, on arrive, on va venir te chercher. On prend les interventions. Oui, non, mais je sais. Veuillez excuser la maladresse de. Oh, l'accident derrière vous! Ça arrive de s'énerver. Oh putain. Ils vont bien. Non, je rigole. Bonjour, monsieur, vous allez bien? Putain, il m'est rentré dans le connard. Mec, faut que tu m'emmènes à la mairie. C'est bon, j'ai trouvé un gars qui m'emmène à la mairie. J'arrive, Gizmo, j'arrive. Quoi? Emmène-moi à la mairie, s'il te plaît. Mais attends, tu veux pas que je Albert t'emmène à la mairie? Albert, tu m'entends? Non, emmène-moi à la mairie d'abord. Albert! Oui! Tu m'entends, Albert? Oui, je t'entends! Albert, t'es où, Albert? Là, on va à la mairie, là. Retrouve-moi à la mairie, Albert. Je suis le mal. Quoi? La 4G, ça capte pas, à la mairie, Albert, à la mairie. Ça s'appelle les popettes, j'entends plus. On va lui amener à la mairie, Albert, à la mairie. Putain, ils sont top ceux-là. Albert. RDV, mairie. Parfait. Tu peux sortir, Patrick. C'est toi? Ah bonjour, excusez-moi, je vous ai confondu avec quelqu'un d'autre, excusez-moi. Passez une bonne journée, monsieur. Allez. Merci à vous. Oh, les gars. On est à la mairie, frère, t'es où? Oh, venez. Ah ok, je comprends mieux. Attends. Recule. What? Ok, rejoins-nous. Ah parfait. Bonjour. Une hache, non mais c'est pour les clodos, les haches. Moi, je veux gagner de l'argent maintenant, là, c'est de la merde, les haches. Jacques, non, c'est toi Jacques. On va les miner. Jacques, c'est moi Jacques. Incroyable Jacques. Ah, donc une pioche, on va les miner, je vais vous amener à gagner de l'argent. Mais non, gars, mais c'est pour les clodos, c'est pour les clodos les haches. Jacques, vous êtes aussi un de mes amis. Mais je le fais moi, c'est une pioche, pas une hache. Mais non, mais c'est pour les clodos les pioches. Mais non. Ouais, c'est pour les clodos. Vas-y, montre-nous quand même, on veut voir. Non, c'est pas rentable.
C'est pas rentable, il dit Ronron. 1000 euros par ressortie. Ronron, il dit que c'est pas rentable. Mais tu veux, j'ai encore mieux. Il y a un truc qui s'appelle des plantes médicinales. Ronron et schlingue aussi. Plantes médicinales. Ronron, elle a une petite tête en forme de couille. Plantation. Ouais. Plantation. Mais il faut trouver déjà la caisse. Ah, mais je l'ai moi. Vous voulez que je vous amène? Ah bah. Ah bah vas-y. J'ai un kilo chez moi. J'ai un kilo chez moi. Ah oui, bah d'accord. Tu nous donnes tous une graine et après on te redonne après. Tu vois où je vais la planter, c'est ma graine. Je veux pas savoir. Attends, on fait quoi, on va acheter la pioche, parce que même moi je sais pas. Mais quel tub. Attends, je vais mettre de l'essence, j'en ai plus. Vas-y, allez. Vas-y, relâche le plein. Y'a Godefroy qui m'appelle. Allô. Mais c'est qui Godefroy? Allô. Un des vieux. C'est qui? Allô. Mais ça fait pas Godefroy, putain. C'est insultant. Il s'appelle pas Godefroy, le frérot. Mais je sais pas, c'est son nom. Mais non. Mais c'est lequel? Le dernier druide. T'as Albert. Albert, ouais. C'est toi, Albert. Comment ça marche, cette merde? Allô. Merde. Casse-toi. Ah. Ah d'accord, ça y est, ça marche. Voilà. Oh, ça me coûte de l'argent, ça. Ah ouais, c'est parti. Bah oui, bah putain. Attends, ça va si je vous ai baisé l'argent pour la voiture parce que sinon ça me ferait chier. Putain, ça coûte. Jacou, il faut qu'on aille tous les deux voir le médecin là. On sent pas bien là. Attends, faut qu'il y a un des papiers, je vais aller lui chercher. Mec, t'as des mouches autour. Mec, t'as des mouches autour de toi. Des quoi? T'as des mouches au-dessus de ta tête? Ah non. Arrête, tu rigoles. Ah ouais, j'ai des mouches. Non, ça va, c'est des moustiques au niveau de la lumière. Ok, c'est bon, j'ai rien dit. Les gars, j'ai retrouvé Albert. Oh, Albert. Oh, c'est Albert. Alors, Albert, t'as changé ta coupe, t'es peu gosse. Eh oui. Putain, j'en veux plus. Comment ça va, les amis? Bah, je suis trop content de t'en retrouver. Où est Richard? Albert. Écoutez, Richard revient de son voyage. En fait, il est parti en week-end et donc... Richard est parti en week-end, non? Ah, merde. Ah, Albert, oh, t'es si... niveau 5 ou pas, toi? Ça Eh bah écoutez, je pense qu'on n'aura pas de meilleure fin Albert, que celle-ci. On se retrouve avec nos potes, ça va être cool. Dans les prochains épisodes, je pense qu'on va monter une boîte, donc ça va être cool. Merci beaucoup d'avoir regardé, surtout n'oubliez pas de vous abonner, c'est très important, surtout pour la suite. Parce que la suite annonce très très bien. À bientôt, ciao.